Entre Quintine et Gouyas, entre Elzel et Hatt, la brasserie des légendes est née. Pierre Coigne, maître brasseur, propriétaire des lieux, y met depuis plus de 15 ans toute son énergie et son savoir-faire au service de produits 100% terroir. Bonjour, je m'appelle Pierre Delcoigne, je suis maître brasseur, directeur de la brasserie des légendes. Je fais ce métier passionnant de brasseur depuis 12 ans, suite après une formation d'ingénieur brasseur. Pierre Delcoigne, la vitre, ou non, plutôt le bâtiment qui jouxte la brasserie elzéloise ici, c'est la vitrine dont vous aviez besoin ? Oui, tout à fait. En fait, nos deux brasseries avaient besoin de montrer leurs produits, la qualité de leur bière et expliquer certainement à la clientèle comment nous fabriquons nos produits et avec quel type de matière première et quelle provenance. Alors, on va distinguer, on va être clair tout de suite. Brasserie elzéloise, brasserie des géants et brasserie des légendes. Je ne me trompe pas, mais ça mérite une explication. Oui, tout à fait. C'est un petit peu confus l'ensemble. En fait, c'est relativement simple. La brasserie des légendes, c'est la société qui commercialise l'ensemble de la gamme de la brasserie Quintine et de la brasserie des géants. Donc nous avons deux sites de production. Un site qui est basé à Hirschonwé, près de Hatt, où là on fabrique toutes les bières des géants, la Gouyas, la Goliath, du Cassis par exemple. Et nous avons un deuxième site qui est basé en fait à Elzel, l'ancienne brasserie elzéloise, où là on fabrique toujours également la Quintine, l'Hercule, et donc voilà. Alors, chronologiquement, votre premier produit, eh bien, c'est la Gouyas. C'est exact, notre premier bébé, c'est la Gouyas. En fait, nous avons commencé il y a 12 ans maintenant la production de notre première bière, qui est la Gouyas, que nous avons lancée lors de la Ducasse du mois d'août 2000 à Hatt. Et puis l'histoire a fait que l'envie est venue avec le temps. Vous voici aussi à Elzel maintenant, à la tête de la Quintine. Oui, tout à fait. Mais je pense que c'est vraiment une passion des produits de terroir. Donc on est vraiment dans cette gamme de produits. On adore ces produits pour le côté original, le côté différent d'une année à l'autre, le côté intriguant. Et donc pour les amateurs de bière, pour nous c'était important de rester dans ce créneau-là. Et donc c'est pour ça qu'on avait beaucoup de contacts avec la brasserie Quintine. Et lorsque la brasserie Quintine était à remettre, eh bien, nous avions fait une proposition. Et donc cette proposition a été acceptée, donc nous avons continué le projet. Chaque brasserie a gardé son identité, sa salle de brassage, ses méthodes, sa façon de fabriquer, ses matières premières, mais par contre je dirais qu'on a une unité de gestion centralisée et qui garde cet esprit de terroir en fait. Cet esprit de terroir, vous l'avez aussi voulu dans ce nouvel établissement, c'est important aussi cette vitrine pour montrer évidemment que vous travaillez les produits de la région et du Hainaut en manière générale. Voilà, tout à fait. Donc c'est comme ça que finalement, mis à part nos bières qui sont présentes évidemment dans la taverne, on travaille avec énormément de producteurs locaux. On travaille avec des fromagers du pays des collines, les saucissons, même chose. On a travaillé également, on cherche plus d'authenticité dans les produits. Donc on travaille aussi avec les jus de fruits des vergers de la Gommette, donc de Papigny. Donc on essaye vraiment, quand c'est possible, lorsqu'on trouve notre plaisir, mais dans le Hainaut et dans la région du Pays des Collines, il y a énormément de producteurs. Eh bien, on s'est dit, ben voilà, on a envie de travailler avec ces producteurs-là, les mettre en avant, tout en mettant en avant les produits de notre brasserie, en fait. Que prend naissance la Quintine en fait. Donc c'est le cœur de la brasserie, c'est la salle de brassage. Donc on fabrique 1500 litres par brassin et on fait deux brassins par jour ici. Donc on fait 3000 litres, mais on ne fait ça que les mercredis, jeudis et vendredis. Donc ici il y a la possibilité pendant l'été, le visiteur qui vient voir nos installations, enfin qui vient boire un verre, a la possibilité de déguster un verre
et de voir le brassage. Donc c'est quand même aussi un peu unique en fait en Belgique, c'est que finalement le consommateur peut voir la fabrication, peut poser des questions au brasseur s'il n'est pas trop occupé. Et donc voilà, donc on a voulu garder, et ça, ça fait aussi partie du terroir, c'est ce contact entre l'humain, quoi. C'est entre le consommateur et le producteur. Et donc cette salle de brassage assez ouverte avec la salle nous permet de le faire en fait. Et vous insistez sur l'utilisation de certaines matières premières. Alors, vous êtes brasseur de première génération, vous avez dit, mais quelque part, votre père se retrouve un peu dans la fabrication de cette bière, puisque ben, l'orge, c'est une production familiale. Tout à fait, exactement. Donc en fait, on a vraiment voulu augmenter encore le côté terroir de nos produits, et le meilleur moyen c'était finalement de dire ben, tout compte fait, pourquoi ne pas produire son orge soi-même. Il faut savoir que la Belgique est un grand producteur de malt d'orge, mais par contre l'orge vient en majorité de pays limitrophes ou de pays beaucoup plus éloignés. Et donc nous on a voulu d'abord, dans un but de développement durable, donc l'incidence sur l'environnement, ne pas, pourquoi aller chercher à 1000 km son malt, enfin son orge de brasserie, alors que finalement je peux le planter à 30 km de chez moi. Et donc d'abord c'était vraiment dans un but de développement durable, et par la suite on s'est dit, mais tout compte fait c'est même encore beaucoup plus fort pour le terroir, quoi, parce qu'on peut vraiment choisir nos variétés avec lesquelles on travaille, et on peut choisir le champ, la façon dont on va suivre la culture. Et donc c'est, je dirais que c'est une satisfaction grande pour nous, mais également pour mon père, parce que finalement l'agriculteur vend sa production chez un négociant et puis il ne la goûte pas, il ne la voit pas, tandis qu'ici finalement l'orge qu'il a cultivée toute l'année, eh bien il peut la goûter en ouvrant une de nos bouteilles, quoi. Donc c'est vraiment, c'est aussi très valorisant pour le fermier. Allez, pour terminer, sans dévoiler de secret, qu'est-ce qui fait la spécificité de la Quintine? L'amour qu'on lui donne pendant toute la fabrication, c'est vraiment ça la spécificité, c'est le savoir-faire, c'est le plus important. Il y a des ingrédients judicieusement choisis, on ne choisit que les meilleurs houblons, que les meilleures qualités d'orge. Mais après, il y a tout le savoir-faire, les hommes qui travaillent ici, le côté méticuleux du métier. C'est la même chose lorsqu'on fait de la cuisine, quoi, hein. On ne travaille pas à la louche, il faut quand même une certaine précision. Eh bien, c'est la même chose en brasserie, donc c'est vraiment ça. Et l'amour, finalement, la passion. Un brasseur qui est passionné vous sort des très bons produits.